Et salut à tous, c'est Agent GB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un mini-jeu que vous connaissez sûrement, Cookie Clicker. C'est un nouveau jeu complètement viral qui est apparu sur internet. Et en fait, c'est tout con. Au début, vous cliquez sur un cookie pour avoir un cookie. Et puis au final, vous en gagnez de plus en plus. Et vous pouvez vous payer des améliorations malades. Jusqu'au final, avoir comme moi, j'ai commencé à y jouer hier. Je vais arrêter maintenant, mais là j'en suis à 3 125 000 cookies par seconde, enfin c'est un truc de ouf. D'ailleurs, si je regarde là où j'en suis, là, j'en suis à 613 millions de cookies, voilà. C'est marrant parce que vous laissez votre fenêtre internet ouverte, vous partez 5 minutes, vous revenez, vous avez 10 millions de cookies, le truc oufissime. Et donc il y a Seth Godin, le gros dieu de la Redstone Minecraftien, qui a fait une map Cookie Clicker, mais qui malheureusement, je ne sais pas pourquoi, n'a pas mis le lien de sa chaîne en description, le lien de la map. Du coup, j'ai quand même recherché, j'ai trouvé un lien sur Planète Minecraft qui montrait une map quasiment pareille. Donc, voilà, en gros, le principe, c'est ça, hein, vous cliquez, vous avez des cookies, ouais, 1, 3, 4, 5, 6, 1, et ça commence à 10, vous avez un curseur, donc là, je passe à, là, je peux en acheter un. Pourquoi ça marche pas? Ah non, 20 cookies, je suis con, je sais pas, oui, parce que c'est 10 cookies, je crois, le curseur sur Internet, donc là, je peux en acheter un, voilà. Donc là, curseur 1, vous voyez, ça fait les cookies qui commencent tout seul. Évidemment, il faut beaucoup cliquer. Et le prochain, c'est à combien? 100? Allez, on atteint les 100. Je vais pas non plus faire tous les trucs, parce que là, le principe, le but, c'est surtout de vous montrer. C'est une vidéo assez courte. Voilà, on va les atteindre. 100! Et brah, on achète une grand-mère. Et là, vous voyez, ça commence à... Enfin, ça s'allonge tout seul. Donc là, genre, tu as un toutes les deux secondes, enfin, c'est juste pourri. Mais là, vous voyez, après, vous avez la ferme pour 500 cookies, 3000 cookies, la fabrique, mine, shipment, la bâtiment. Le bâtiment, en fait, c'est exactement pareil. Par contre, les valeurs sont pas pareilles, je crois. Parce que portail, attendez, je regarde. Un portail, c'est... Ah non, mais moi, j'en suis à 41 millions de valeurs, c'est... Et vu que, en fait, quand on en achète, la valeur augmente, mais là, ce qui est cool, c'est que si ça bouge pas. Oui, je suis en fait déjà à 20 cookies, là, sans avoir rien fait. Et voilà, ça commence à augmenter assez vite. Donc voilà, et là, vous avez pour recommencer. Donc, par contre, si on quitte le jeu, je crois que ça... je crois que ça fait pareil, c'est-à-dire que ça ne sauvegarde pas le... Enfin, ça ne continue pas de monter. Ouais, non, je crois que ça fait pas. Mais voilà, donc pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Tadam! Voilà comment ça marche. Vous avez ici tous les détecteurs des ustensiles pour la farm, etc. Et après là, vous avez regroupé en plusieurs personnes. Donc là, 10. Là, ça correspond à 10 cookies. Donc je pense que c'est ça, ouais, 40. Ouais, donc c'est ça, ça correspond à chaque genre ferme, etc. Tout est ici. Regroupé en petits blocs. Voilà, voilà. Donc si vous voulez vous amuser à jouer à Cookie Clicker, je vous mettrai le lien du site internet dans la description. Je vous mettrai aussi le lien de la map. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était vraiment très court, mais voilà, c'était vraiment pour vous présenter le petit jeu qui est sympa sur internet. Franchement, c'est marrant d'y jouer. C'est complètement stupide, c'est de la perte de temps. Mais bon, c'est ça qu'on aime. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime. High five!